19h. Nous voici dans le pic de circulation, en heure de pointe, vers le centre de Bruxelles. Alors, un seul mot d'ordre. Il faut avoir la patience, c'est comme ça. Pour faire preuve de patience. De la patience en surface, mais aussi sous terre, lorsqu'on tente de garer son véhicule. Oui, mais moins de temps que pour garer la voiture. J'ai croisé Bruxelles en moins de temps que j'ai mis pour garer la voiture. Les 23 interparkings de Bruxelles connaissent tous la même situation. Chaque soir, ils affichent complet. Hello, sir. Yes, hello. Yes, the parking is full at this moment, so you just have to wait a few minutes. Ici, on se trouve dans le control room d'interparking. Ici, on peut gérer en fait tous les parkings du groupe en Belgique, mais spécifiquement ceux de Bruxelles. C'est le premier endroit où nos clients arrivent en cas de problème qu'ils appuient sur le bouton d'interphonie d'une caisse. Et en moyenne, ils reçoivent au dispatching plus de 300 appels chaque soir. Il faut appuyer sur le bouton qui clignote. Alors, qu'est-ce que je fais là maintenant ? Des situations techniques, mais aussi parfois humaines à gérer. Alors le groupe engage chaque année du personnel supplémentaire. On a renforcé nos équipes aussi, donc on a des étudiants qui sont présents, en plus des équipes habituelles, qui sont là pour gérer et aider les clients. Toute une logistique particulière, donc. Les nerfs des visiteurs sont parfois mis à rude épreuve. Mais malgré tout, la magie de Noël opère. Ouais, joyeux Noël à tous. Bon Noël ! Joyeux Noël ! À vous aussi.